puis derrière, on mettra soit le G, enfin bon, après, on en discute tous les deux, mais il faudra qu'on précise ça. On précise qu'on a procédé donc, à une gratification de ce qu'on avait d'ores et déjà en portefeuille, que c'est pour une part ce qui figure dans la liste de nos mécénats. Les voyages en train nous donnent à filmer d'interminables travelling. Dans l'histoire du cinéma, le premier fut réalisé à partir d'une gondole naviguant sur le Grand Canal à Venise. Ici, la caméra se déplace avec le filmeur. Il n'y a pas d'autre mécanique. Tu vois, j'ai... Oui, c'est ça. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Corinne, l'enseignante qui allait suivre ma validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un DNSEP, Diplôme National d'Expression Plastique, à l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy. Comme j'étais à deux pas du Louvre, j'y ai passé l'après-midi en attendant le train du soir. J'aime déambuler au hasard, me perdre, me laisser surprendre. M'arrêter sur un objet, le geste d'une statuette. Et toujours revenir aux origines de l'écriture. Accorder autant d'importance au reflet des visiteurs, aux œuvres dans les vitrines, me perdre dans les trous des regards vides, penser à la main qui a sculpté la main, tenter de la saisir dans le présent arrêté de l'objet exposé. Parfois surprendre les visiteurs dans leur intimité. Mettre mes yeux dans les yeux d'animaux gardiens, vieux de plus de 2000 ans, imaginez ce qu'ils ont vu. Imaginez que la fenêtre n'est qu'une des vitrines du musée. Surprendre une absence et soudain avoir la tête ailleurs. Filmer celle qui dessine. Observer ceux qui observent. Après quelques heures de déambulation, ne plus s'attarder qu'aux détails, perdre de vue l'ensemble. Parfois saisir un moment suspendu, la grâce inattendue d'une scène anodine. Regarder s'éloigner celle dont la simple présence fit ralentir le temps.